Mama, abracadabra. Qu'est-ce que tu fais là? Écoutez, regarde bien. Voici Michel, le magicien. Je parie que tu n'as jamais vu un magicien jouer de la musique. Et encore moins du tambour. J'ai ici un tambour qui a un défaut. C'est qu'il manque les pots qu'on place habituellement aux extrémités. Alors, si tu permets, je vais remplacer ces pots par des feuilles de papier journal. J'en place une ici, que je vais maintenir à l'aide de cet anneau, en le forçant bien pour qu'elle tienne bien, comme ceci, voilà. Et à l'autre extrémité, je vais placer une autre peau en papier journal, comme ceci. Voilà, bien sûr, vide de tout trucage. Et je la maintiens également à l'aide d'un anneau. Voilà, prêt pour la musique? C'est pas exactement ce que je voulais faire. Je te permets. Je pense qu'en fait de musicien, je suis plutôt magicien. Et si je suis plutôt magicien, poudre de perlimpinpin, voilà, comme ceci. Et là, Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pagui, pago, pago, les noix, bibelin, bibelon, pompon, la galipette. De mon petit tambour, je sors un foulard. Deux foulards. Trois foulards, quatre foulards, cinq foulards, six foulards, des foulards, en veux-tu, en voilà. De toutes les couleurs, des verts, des jaunes, des bleus. Attends, je pense même qu'il y en a par l'autre bout. En voilà par ici, en voilà par en haut, et plus j'en sors, plus j'en trouve, plus j'en trouve, plus il y en a, et encore, et toujours, et des verts, et des jaunes, et des bleus, et des rouges, et des oranges, et des roses, et encore, et toujours, et tout ça, me diras-tu, tout ça, c'était où? Ah, je vais te le dire dans une seconde, tous ces petits foulards, et il y en a encore, tous ces petits foulards étaient tout simplement, tu as deviné? Ah non, il y en a encore, il y en a encore, oh là là, il y en a plus j'en trouve, ils étaient tout simplement à l'intérieur de mon tambour vide. C'est ça, la magie. Bravo! Nous avons tout vu! Nous étions cachés là. Oh, mais je n'ai pas. Eh bien, pour la peine, si vous le voulez bien, je vais vous proposer de m'aider à présenter un tour à nos amis. Oh oui! Vous venez jusque là. Je t'en prie. J'y vais. Alphabelle. Merci. Alphabus. Oh. Alphabus. Oui? Sais-tu que tu as des talents de médium? Non. Ah. Regarde-moi, tu es devenu un médium. La preuve, j'ai ici trois petits objets. Une bouteille, un bouchon, une clé. Alphabus, tu vas te tourner. Oui. Tu ne regardes pas? Non. Alphabelle, tu vas choisir l'un de ces objets et tu prendras les deux autres pour qu'on ne sache pas. Ah bon? Tu prends celui-là, tu prends les deux autres, c'est ça? Et là, on ne sait pas lequel a été choisi. Et on le sait encore moins. Alphabus, peux-tu dire quel est l'objet qui est sous cette tasse? La bouteille. Oh, tu as trouvé? On recommence pour te prouver que ce n'est pas par pure coïncidence, parce qu'on peut le supposer. On recommence. Alors, j'ai un peu replacé les objets. Tu prends celui que tu veux, tu choisis celui que tu veux et tu prends les deux autres que tu caches. Alphabus. Le bouchon. Ce qui prouve qu'il est un vrai médium. Ou alors, ça prouve tout simplement qu'on avait un secret, qu'il est en connivence avec moi. Parce qu'on s'était entendu avant. Et c'est pour ça qu'il t'a amené ici. Regarde bien quel est le secret. Le secret, c'est très simple. On avait convenu, c'était notre code, que si tu choisissais, disons, la bouteille, je la recouvrais avec la tasse, mais en plaçant l'anse de ce côté, dans cette direction. Dans la direction de la bouteille. C'est ça. Si tu choisissais le bouchon, je plaçais la tasse dessus. Mais pas comme ça, je la plaçais. Lance dans la direction, en avant. Si tu choisissais la clé, je plaçais la tasse comme ceci, avec lance dans ce sens-là. Et là, par exemple, s'il se retournait, en regardant lance dirigée de ce côté-ci, il aurait dit... La clé. C'est ça, c'était ça notre connivence, c'est ça notre secret. Oh, mon espèce de... Oui, eh bien, toi, j'espère que tu as bien compris, que tu as bien retenu comment ça marche. Donc, une tasse, on tourne l'anse du côté qui indique quel est l'objet qui est en dessous. Et si tu fais ce tour, bien sûr, il te faudra un médium, ton petit frère, ta petite sœur, ou un ami ou une amie.
Et si vous le réussissez, puisque vous serez deux, eh bien à ce moment-là, vous serez donc deux à pouvoir dire « C'est ça la magie !» Où est-ce que vous êtes rendu? Oh, tu es là. Avant toute chose, je peux te demander un service. Si tu aperçois Ticotine, préviens-moi tout de suite pour que je me fasse disparaître aussitôt. Et ensuite, figure-toi que mes deux colombes sont parties en voyage. Hortense et Gertrude, et tout ce qu'elles m'ont laissé, c'est ce portrait qui les représente. Évidemment, un portrait comme ça, ça a un défaut, c'est plat. Ce n'est pas aussi bien qu'un vrai portrait en relief, où on les verrait beaucoup plus dépassés sur ce fond de carton noir. Mais heureusement, j'ai un appareil qui permet de rendre les images en relief. Cet appareil, le voilà. Si tu permets, on va l'essayer ensemble. Je place l'image ici au fond, comme ceci. Évidemment, on peut la voir comme ceci. Et là, regarde bien. Je prononce la formule magique. Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingo, les noix, bibin, bibolo, papa, la grippette. Et là, voilà mes deux colombes en relief. Comment? Bon, en effet, il y a quelque chose qui n'a pas dû marcher. Oh, 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 j'ai oublié le principal. Il faut tourner les boutons. Il faut tourner les boutons selon la combinaison magique. Trois crans d'un côté, un, deux, trois. Trois crans de l'autre, un, deux, trois. Et deux de ce côté, un, deux, et deux de l'autre. Un, deux. Et là, regardez bien, voilà mes colombes en relief. Non, il y a encore quelque chose. Alors là, il y a quelque chose de très important que j'ai dû oublier. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Aurais-tu une petite idée? Oh, ben oui! Évidemment, j'aurais dû y penser, j'ai oublié la poudre de perlimpinpin. Et là, regarde! Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Voilà la poudre de perlimpinpin. En veux-tu, en voici. Et dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Regarde, les voilà. Regarde, Hortense et Gertrude, vraiment en relief. Est-ce qu'elles ne sont pas belles, n'est-ce pas? Michel le magicien. Oh, Ticotine, vite, disparaissons. Michel, je... Mais... Vous l'avez bien vu? Il était là. Est-ce que j'ai des hallucinations? Et hop, me revoilà. Je l'ai bien eu, n'est-ce pas? Et vous deux, mes jolies petites colombes, eh bien, je vais vous placer dans votre cage. Voilà, comme ceci. Hortense... Gertrude. Ah, vous êtes bien sage. À présent, est-ce que tu aimerais que je t'explique un tour de magie? Alors viens avec moi jusqu'à ma table. J'ai ici un petit rectangle de papier. Et deux attaches papier qu'on appelle des attaches trombones parce qu'elles ont un peu la forme des trombones, les fameux instruments de musique. On va dire, si tu veux, que cette attache trombone, c'est un voleur. Un voleur de grand chemin qui s'est caché dans une forêt. Ça, c'est la forêt. Le papier, c'est la forêt. Alors, le voilà qui s'enfonce dans un fourré à l'entrée de la forêt. Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un gendarme, un policier, l'a suivi. Le policier entre à son tour dans la forêt. Là, le voleur l'aperçoit. Alors, pour se cacher, il rabat une branche de sapin, disons, entre lui et le policier. Voilà. De l'autre côté, la même chose. De l'autre côté, il rabat une autre branche de sapin entre lui et le policier. Là, le voleur se croit bien à l'abri. Et cependant, regarde bien. Un, deux, trois. Le policier a attrapé le voleur. Ce petit tour, il est très facile à faire. Et en réalité, il n'y a pas de secret. Il suffit de faire exactement comme je vais te montrer. Je reprends. Pour commencer, je prends une autre feuille de papier parce que celle-ci, ayant déjà servi, elle risquerait de se déchirer. Alors, il vaut mieux le faire avec une feuille de papier neuve. Cette feuille de papier, tu vois ses dimensions à peu près, je les ai d'ailleurs notées. Elle mesure à peu près 8 cm sur 18 cm. 8 cm de large sur 18 cm de long. Mais à défaut, tu pourrais prendre également un papier qui aurait la forme ou la grandeur d'un billet de banque. Et même un billet de banque pourrait faire l'affaire. Alors, ce qui est important, au début, tu enfonces le voleur sur la feuille de papier. À peu près au milieu, comme ceci. Ça, c'est facile. Tu enfonces le gendarme à côté, mais assez près. Si tu le plaçais trop loin, tu ne pourrais pas rabattre tes branches. Là, tu rabats une branche, comme ceci.
en passant par-dessus le voleur, hein, tu vois. Tu passes par-dessus et sous le policier. Voilà. De l'autre côté, la même chose. Tu passes par-dessus et dessous. Voilà. À ce moment-là, tu prends les deux extrémités du papier. Attention, tu ne les prends pas en haut. Il faut les prendre du côté où se trouvent les attaches trombones. Et si tu tires un petit coup sec, voilà, les deux sont pris, le policier a attrapé le voleur. Eh bien, ce petit tour, je pense que tu n'auras pas de difficulté à le faire et que si tu le réussis, tu diras, tu sais encore quoi? Mais oui, c'est ça la magie! Michel, tu as demandé à me voir? Oui, pour que tu puisses vérifier mon matériel. J'ai ici un dé. Un dé en bois, tu permets? Oui, il est bien en bois. Et j'ai également une petite boîte, absolument vide de tout trucage. Je vais te demander de la tenir à peu près à cette hauteur, ce qui va te permettre de tout surveiller. Et là, regarde bien. À mon commandement, le dé qui est là va passer dans la petite boîte. Et il va passer visiblement. Tu vas le voir passer. C'est formidable. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, le dé va passer. Une fois. Oui. Remarque, il n'y a pas de fil, pas de trucage. Non. Deux fois. Trois fois, il est passé dans la petite boîte. Mais oui, il est passé, Michel. C'est toi qui l'as mis. Mais je t'avais dit que je le ferais visiblement. Oh. Tu aurais voulu que je le fasse invisiblement? Oui. Par magie? Par magie. Ah, là, c'est différent. Là, pour le faire invisiblement, il faut être un bon magicien. Mais ça tombe bien parce que je suis un bon magicien. Oui. Et je vais te présenter l'expérience ici directement sous tes yeux. Regarde. Je prends une petite boîte munie de deux portes. Oui. Dans cette petite boîte, je place le dé. Là, évidemment, on peut le voir, il est là. Oui. Attention à mon commandement. Une fois, deux fois, trois fois, le dé est parti. Oui, mais il aura redescendu. Une fois, deux fois, trois fois. De l'autre côté. Les deux ensemble? Ah, les deux ensemble, c'est différent. Mais je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu penses. Tu penses que le dé se promène d'un côté à l'autre. On va vérifier. On va écouter. Tu écoutes voler les petites mouches. Ici. Pas de dé. De l'autre côté. J'ai entendu. Tu as entendu. Ça veut dire que je n'ai pas mis assez de caoutchouc. Hein. Oui, ben si je n'ai pas mis assez de caoutchouc, on peut toujours s'arranger quand on est magicien. Allez, papa, pyjama, si tu fais la pagui, pago, pago, les noix, biola, biola, papa, la grippette. Le dé est parti de ce côté-ci. Le dé est parti de l'autre côté. Veux-tu le prendre dans la petite boîte? Il est là. C'est ça, la magie. Toi-même, tu possèdes peut-être des dés de ce genre. Si tu en as pour jouer à toutes sortes de jeux, bien sûr, tu pourrais t'en servir pour faire un tour que je vais t'expliquer. Tu viens jusque-là? Oh oui, oui. Je veux parler de dés comme ceux-ci. Des dés tout simples. Hein? On en a souvent à la maison. Moi, j'en ai deux gros pour qu'on les voit bien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on place deux dés l'un sur l'autre, comme ceci, il y a des faces qu'on ne voit pas. Il y a des faces du dé. Un dé, ça a six faces. Hein? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Des faces sur lesquelles il y a des points. Quand je place les deux dés l'un sur l'autre, il y a trois faces qu'on ne voit pas. Celle du dessous. Oui. Celle qui est là et celle qui est là. Oui. Et on ne peut pas connaître les points, quels sont les points qui sont dessus, bien sûr, puisque c'est caché. Alors, voilà ce que je vais te demander. Je vais me retourner. Tu vas placer les dés comme tu voudras. D'accord? L'un sur l'autre. Oh, ça oui. va? Je me retourne. Je ne regarde rien. Tu ne regardes pas? Je ne regarde pas. Oh, d'accord. Je vérifie. Voilà. Tu n'as pas regardé. C'est bien. C'est fait? C'est fait. Bon, je peux te dire que le total des points qui sont sur les faces cachées est de 10. On vérifie? Le total. Total, c'est donc une addition. J'ai ici 3. 3. Et 4, 7. Plus 4, 7. La face en dessous, 7 et 3, 10. 10? J'avais prévu que ce serait 10. Bien sûr, on pourrait dire, ah, quand il se retourne, il regarde en vitesse de tous les côtés quels sont les points qui sont visibles pour savoir lesquels ne sont pas là. Oui. On recommence, mais cette fois en cachant l'opération à l'aide de cette petite cheminée. D'accord? Oui. Tu replaces les dés l'un sur l'autre, je ne regarde pas. Vérifie bien qu'il ne regarde pas. Oh là là! Voilà, Michel! Tu as mis la cheminée? Non, je n'ai pas mise. Je la mets. C'est fait? C'est fait! Eh bien, je peux te dire que le total
des points cachés est de 11. On vérifie. Oui. Ici, nous avons 4, plus 2, 6. 6. Plus 5, 11. Comment j'ai fait pour deviner? Il y a un truc, et ce truc, je te l'explique. Oui. On va le refaire. Il y a un nombre qu'il faut retenir par cœur, un nombre qui intervient toujours. J'ai apporté une petite ardoise, là, sur laquelle je vais l'inscrire. Le nombre 14. On retient 14 dans sa tête. 14. Et le secret, c'est simple. Quand je me retourne, je regarde quels sont les points qui sont sur le dessus. Là, c'est 3. 3 points. Si c'est 3, je soustrais de 14, tout simplement 3. 14 moins 3, ça fait 11. Alors, je sais que le total des points cachés ici est 11, et on en a la preuve. 4 et 3, 7, et 4, 11. C'est toujours de la même façon. Toujours de la même façon, je regarde. Supposons que ce soit 1 qui soit dessus. À ce moment-là, les points cachés, ça ferait 14 moins 1. 13. 13. Et la preuve, 6 et 3, 9. 9 et 4, 13. Eh bien, ce petit tour, je pense que tu prends l'autre. Oh oui, certainement. Et si je le réussis, parce que je suis bonne en soustraction, je pourrais dire, c'est ça la magie. C'est ça, exactement. Michel, je m'excuse, je dois te quitter parce que la voisine a besoin de moi. J'y pense d'un seul coup. Au revoir, Michel. Et Alphabelle, il y aurait encore une question de glaçage au chocolat dans l'air que je ne serais pas étonné parce que je la connais. Mais toi-même, pour présenter ce tour, évidemment, il faudrait que tu sois bon en calcul. Si tu ne l'es pas, je te souhaite de faire tous tes efforts pour te perfectionner. Et à ce moment-là, tu le réussiras ce tour et tu pourras dire aussi comme moi, c'est ça la magie! Alphabelle, j'ai ici deux plaques de verre tout à fait ordinaires que je vais réunir à l'aide de bracelets de caoutchouc. Comme ceci. Un d'un côté. Voilà. L'autre de l'autre. Voilà. Et là, je vais les placer à l'intérieur de ce petit support. Voilà. J'ai également un jeu de cartes. Vide de tout trucage, d'ailleurs, je ne ferai pas voir s'il y a quelque chose à voir dedans. Je vais te demander de prendre une carte, celle que tu voudras, n'importe où. Choisis. Oh, celle-ci. Si tu veux. Tu la montres à nos amis, mais pas à moi. Je me retourne. Ah bon, d'accord. Alors? C'est fait? Oui. Tu la replaces à l'intérieur du paquet. Et là, regarde bien. Je referme le paquet. Poudre de perlimpinpin. Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais? La pagli, pago, pago, les doigts, bibela, bibelo, popo, la glipette. Et à présent, j'éventaille le paquet de cartes. Oui. Et la surveille bien ce qui va se passer. À trois. Un, deux, trois. Regarde. Une carte est venue se glisser entre les deux vitres. J'enlève les élastiques pour bien montrer qu'elle est prise entre les vitres. Oui. Est-ce que tu pourrais me la nommer, ta carte? C'était le 8 de pique? Veux-tu regarder? Oh! C'est extraordinaire, Michel! Elle est bien prise ici, parce que c'est ça, la magie. Évidemment, pour présenter un tel tour, il faut avoir un certain pouvoir. Mais quand on n'a pas ce pouvoir, il existe des tours de cartes qu'on peut présenter qui sont presque aussi impressionnants. Et si tu veux, je vais t'en montrer un. Tu viens avec moi jusque-là? Oh oui, je veux en connaître un. Tu t'assieds. Oui. Et là, regarde, un autre jeu de cartes, tout aussi ordinaire que l'autre. Oui. Je vais te demander de le couper en 4 paquets, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 4 paquets. Oui. 1, 2, 3 et 4. Bon, tu as coupé absolument n'importe où. Oui, n'importe où. Je prends le premier paquet. Je fais passer 3 cartes en dessous. 1, 2, 3. Une sur chacun des autres. Une ici, une là, une là. Le deuxième paquet, la même chose. 3 cartes en dessous. 1, 2, 3. Une sur chacun des autres. Troisième paquet, la même chose. 3 en dessous. 1, 2, 3. Une sur chacun des autres.
Quatrième paquet, la même chose. Trois en dessous, un, deux, trois. Une sur chacun des autres. Et là, je te redemande, tu es sûr d'avoir coupé n'importe où? Oui, je suis sûr. Cependant, regarde. Un as, un as, un as, un as. Quatre as! Les quatre as sont arrivés là. C'est formidable. Oui, eh bien, ce tour, oui, tu vas pouvoir le refaire parce que je vais t'en divulguer le secret. Oh, merci. Au début, j'avais bien sûr un paquet de cartes. Donc, oui, un paquet où toutes les cartes étaient ensemble. Sauf que je ne t'ai pas montré quelque chose. C'est que les quatre as qui sont là, oui, étaient d'avance sur le dessus. Et là, tu vas bien les surveiller. Les quatre as sont là. Je t'ai demandé de couper en quatre paquets. Un, deux, trois, quatre. Où sont les as? Ils sont toujours là. Oui, ils sont là-dessus, bien sûr. Mm-hmm. Bon. Mm-hmm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le premier paquet. J'ai fait passer trois cartes en dessous. Je le fais. Oui. Une sur chacun des autres. En voilà une, en voilà une, en voilà une. Qui arrivait donc sur les as. Ah, ben, oh, je vois. Je prenais le deuxième paquet. Un, deux, trois cartes en dessous. Mm-hmm. Une sur chacun des autres. On voilà deux cartes sur c'est les as. Ça. Troisième paquet, un, deux, trois en dessous, toujours en dessous, puis oui, une sur chacun des autres. Toujours la même chose. Voilà. Trois cartes là, sur les as. Cartes. Là, je vais vous les montrer, mais en oui, réalité, je ne le ferai pas quand je fais le tour, hein, bien sûr. Vous voyez, il y a trois cartes sur les as. Voilà. Bon. Ah oui. Alors, ces trois cartes-là, comme d'habitude, j'ai pris un, deux, trois cartes, je les ai mises en dessous. Mm-hmm. Ensuite, une sur chacun des autres. C'est donc les as qui sont en train d'arriver. Et oui, là. Et je voilà, comprends. Et voilà. Et là, pour l'effet, je te redemande, tu es sûr d'avoir coupé n'importe où? Ah oui, je suis sûr. Ce qui ne change absolument rien, puisque les quatre as sont là. Je peux les montrer. Un, deux, trois, et quatre. Quatre as! Oh, et bien, ce petit tour, j'espère que tu l'as compris et que oui, tu pourras le refaire. Oui, je veux aller l'essayer tout de suite avec Alphabus. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie, Alphabelle. Quant à toi, je suis certain que tu l'as compris et que tu pourras donc le refaire toi aussi. Avec le résultat que tu pourras dire, quoi donc? Mais oui, c'est ça la magie! Est-ce que tu aimes la magie? Oh, oh, j'ai entendu des oui. Alors ça tombe bien, parce que j'ai ici de quoi te présenter un tour qui, j'espère, va te plaire. Bonjour, Michel! Oh, un peu de plus, j'allais commencer sans toi. Oh. Alors regarde, tu arrives juste à temps. J'ai ici un coffret dans lequel je ne te conseillerais pas de mettre des affaires importantes, pour la bonne raison que le dessus et le fond ne se verrouillent pas. Mais la dernière fois que je l'ai ouvert comme ceci, sais-tu ce qui est arrivé? Non. La dernière fois que je l'ai ouvert, j'ai pris de la poudre de perlimpinpin. Alibaba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pagui, pago, pago, les noix, bibelin, bibelin, pom, pom, la galipette. Et là, regarde bien, sais-tu ce qui est arrivé dans le coffret? Non. Tiens, je vais te donner un indice. L a deux L. Une colombe. Je pense bien que si je regarde à l'intérieur, eh oui, regarde, ma petite colombe Gertrude, regarde comme elle est belle. Oh. Et tu permets, on va la placer dans cette petite cage comme ceci. Voilà. Ah, tu es bien sage. Seulement, tu me diras-tu, une colombe dans une boîte comme ça, quand on est magicien, c'est pas beaucoup. Aussi, j'ai... J'ai entendu. Tu as entendu? Regarde, mais oui, la petite sœur de Gertrude, Hortense. Bonjour, Hortense. Je te place avec ta sœur, comme ceci. Voilà. Soyez bien sage. Mais me diras-tu, un coffret comme ça, quand on est magicien, deux colombes, ce n'est pas beaucoup. Aussi, j'ai mis autre chose à l'intérieur. Quelque chose que j'aime autant que les oiseaux, peut-être. Quelque chose, j'espère que tu aimes ça toi aussi, c'est tout simplement, regarde, une corbeille de fleurs. Voilà, que je vais accrocher là. Mais me diras-tu, oh, oh, deux colombes, une corbeille de fleurs, ce n'est pas beaucoup pour un magicien. Alors j'ai mis autre chose que j'aime autant que les fleurs, pour la bonne raison que c'est tout simplement, ah, 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 une autre corbeille de fleurs. Oh, ça alors! Que voilà! Oh. Mais me diras-tu, ah, ah, deux colombes, deux corbeilles de fleurs, ce n'est pas beaucoup. Aussi, j'ai mis encore autre chose dans ma boîte. J'ai mis quelque chose que j'aime autant, autant, autant que les fleurs. C'est tout simplement
Hop, 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 elle est encore plus grosse. Une autre corbeille de fleurs. Voilà. Comme ceci. Oh là là. Mais tu me diras, en fin de compte, les colombes, les fleurs, où est-ce qu'elles étaient? Oui. Je vais te le dire. Toi, tu n'écoutes pas, c'est un secret entre elles et moi. Les colombes, les fleurs, elles étaient tout simplement à l'intérieur de ma boîte vide. C'est ça, la magie. As-tu entendu? J'ai l'impression qu'une des colombes murmure quelque chose à l'oreille de l'autre. Oui. Oh oui, oui. Elle lui a dit que tu aimerais que je t'explique un tour que tu pourrais refaire. Est-ce que c'est vrai? C'est très vrai. C'est vrai? Alors tu me rejoins? Oui, oui. Je passe devant et tu viens à ma table. Oui. J'ai préparé ici un mouchoir et un crayon. Regarde, je place le crayon au milieu du mouchoir. Je prends une pointe du mouchoir que je rabats par-dessus. Je roule le crayon à l'intérieur du mouchoir, comme ceci, 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 comme ceci. Et là, regarde bien. Si je déplie le mouchoir, si je le déroule, le crayon est passé à travers. C'est amusant, n'est-ce pas? Je t'explique ce tour. Alors, voilà. Le crayon, je l'ai placé au milieu du mouchoir et j'ai rabattu une pointe, celle qui est là, de l'autre côté, par-dessus l'autre. Comment j'ai fait? C'est là qu'il y a un petit secret. J'ai fait dépasser cette pointe par-dessus l'autre. Tu vois, elle n'est pas tout à fait au-dessus. Elle est un peu plus loin. Mm-hmm. Alors là, je roule le crayon à l'intérieur du mouchoir, tout à fait normalement. Mm-hmm. Et puis là, quelque chose de très important, je fais sortir la pointe la plus courte, là, celle qui est en dessous. Elle s'en vient vers moi. Ça y est, elle est sortie. Oui. Quand elle est sortie, si je fais exactement comme ça, le crayon est passé à travers où on en a l'impression. Es-tu capable de le faire? Oh, tu essayes? Oui, j'essaie. Vas-y. Alors, le crayon, le mouchoir. Le crayon. Au centre, le mouchoir. Voilà, comme ceci, un petit peu plus loin. Oui. Je roule le mouchoir avec le crayon. Voilà, 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 voilà. Et la petite pointe. Sort par en dessous, c'est ça? Je prends la petite pointe, je tire de cette façon. Et le crayon est passé à travers. Ah, j'ai réussi! Voilà un tour que tu seras capable de faire quand tu voudras. Oui. Tu peux me laisser ça? Mais je t'en fais cadeau si tu veux. Oh, merci, Michel. Au revoir. Et je te remercie pour la démonstration. Quant à toi, j'espère que tu as compris que tu sauras faire également ce tour avec un mouchoir et un crayon. Et lorsque tu l'auras fait et que tu l'auras réussi, eh bien, j'imagine que tu diras tout comme moi. C'est ça, la magie.